On se retrouve aujourd'hui sur Place des Libres Citoyens pour découvrir la revue de presse du début du mois. Donc Place des Libres Citoyens, c'est un site accessible, libre et gratuit. D'un simple clic via un PC ou un téléphone mobile. Nous y sommes. Donc le premier article concerne le cinéma La Clé, qui est un cinéma indépendant de Paris, le dernier. Et il s'agit d'une tribune par un collectif d'associations qui dénonce la politique de mainmise du groupe SOS, qui est un groupe dans le sanitaire et social, et qui veut mettre la main sur ce dernier bastion associatif. Donc je vous invite à lire cet article qui est très intéressant et qui en filigrane donne un état de la politique du gouvernement, notamment vis-à-vis des travailleurs sociaux et des politiques dans le domaine culturel, social, sanitaire. C'est bon article, c'est encore une tribune sur le retrait des troupes françaises en Afrique. Donc c'est une fondation et ça explique comment Daesh et l'État turc sont en train de massacrer, on va dire, tous les anciens alliés de la France en Syrie. Voilà. Et enfin, un dernier article, on change vraiment de domaine, c'est l'association Terre de Liens, donc, qui collecte des terres agricoles en France pour les donner à des jeunes agriculteurs, donc et l'association Les Amis de la Terre, qui sont des associations partenaires. Donc ça nous parle d'un livre et d'une enquête qui révèle l'ampleur de l'accaparement des terres en France par les multinationales et les groupes alimentaires. Donc c'est vraiment une enquête intéressante. De longue haleine par une jeune journaliste. Voilà, c'est trois articles que je vous invite à découvrir donc sur les différents espaces de Place des Libres Citoyens. Vous pouvez même venir à plusieurs, utiliser la vidéo comme dans une conférence Zoom et laisser vos messages dans les documents qui sont mis à disposition, notamment le livre d'or, ici à l'entrée. À bientôt.